Avec quelle partie du corps es-tu le plus habile? Avec les mains, j'ai certaines facilités. Par exemple, je peux applaudir, croiser les doigts, faire le signe de la victoire, dire que tout se passe bien. Non! Petit, tu voulais être dessinateur de Marvel. Tu nous apprends à dessiner Spider-Man. Alors, Spider-Man, c'est très simple. Spider-Man. Voilà, qui ressemble à Pastèque-Man. Stéphane Torrinil te fait penser à quel vrai homme politique? J'aurais pensé à un mélange entre Bernard Tapie et Emmanuel Macron, donc un espèce de Tapron ou Macri. Pourquoi on a l'impression que tout le monde s'en fout du réchauffement climatique? Parce que c'est pas qu'une impression, on s'en fout. Et c'est bien dommage, mais quand même, il fait bien froid pour un réchauffement. Je vais pas faire mon Trump. À quel âge devient-on un vieux con? Ah, y a pas d'âge, moi j'ai démarré très tôt. Quand on a deux nominations au César, mais qu'on repart bredouille, on se dit quoi? Jamais 203. Comment ça se passe un tournage avec son fils? C'est assez particulier de donner des ordres à son fils. Et pour une fois, il peut à peu près les écouter. Le PS et les Républicains sont-ils vraiment condamnés? Il y a comme une odeur de sapin qui traîne, je trouve, autour de ces deux parties. La chose à ne jamais dire quand on reçoit un prix, j'y croyais plus. Et la chose à dire absolument, il était temps. Qu'est-ce qui me rend le plus fier? D'abord de passer à la boîte à questions, et peut-être mes enfants. On se fait un selfie avec plaisir. C'est marrant. Spider-Man, Spider-Man.